Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé. Comme d'habitude, Charles, reviens ici. Oui. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais pour la partie 2 du Yes Man. Bon, même si je vais subir en vrai, je suis grave content parce que cette série, je l'adore. Tu vas être gentil avec moi. On va voir, je vais innover. Pendant 24 heures, il y a une des personnes qui dit oui à tout ce que l'autre lui demande. Aujourd'hui, c'est Charles qui va dire oui à tout ce que je lui demande. Et puis une liste chronologique de ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais ça va être une belle journée. Tu m'as dit j'ai fait une liste là. Tu as fait une liste. C'est pas une liste, c'est une liste. Vous allez voir, vous allez beaucoup rire aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle est en deux parties. La première partie qui est disponible sur la chaîne de Charles, c'est moi qui dis oui à tout ce que Charles me demande. Et aujourd'hui, vous êtes sur la partie où c'est Charles qui va dire oui à tout ce que je lui demande. Force et honneur. Donc on en reparlera à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir l'autre vidéo juste après celle-ci. On est prêts, c'est parti! Charles, nous nous retrouvons sur ce canapé en compagnie de Babouche, donc il va être témoin de cette première chose à laquelle tu vas répondre oui, bien évidemment. Peux-tu porter tous tes vêtements à l'envers pendant le restant de la vidéo? Genre tout, des lunettes jusqu'aux chaussures. Bah oui. Par contre, bon, là, les changements, bah, écoutez, je reviens. Je veux le flouter même dans la vraie, va dans la salle là-bas. Perfect. 3, 2, 1, go! Là c'est normal, ouais. Là regarde. Ah ouais. Mec, j'ai trop mal aux pieds. On dirait un hipster. Ton pantalon il a grave du style. Tu vas te balader dans mon Paris comme ça aujourd'hui. Ouais. Ça n'est que le début. Je connais Hugo, je sais que ça monte crescendo. Bon, on se retrouve dans Paris, à tout de suite. Ah. Et voilà, on Charlie, avance-toi là. Je peux ouvrir les yeux. Attends, avance un peu. Ah tranquille, c'est un franc. Vous voyez ce qu'il y a derrière nous? Alors évidemment on n'est pas en partenariat avec eux en quoi que ce soit. C'est la suite du délire qu'on a vu lors de la fameuse vidéo. Carotte bleue. Et Charlie, retourne toi, regarde non, où nous sommes. Non. Oh les vieux, regarde ce qu'il y a derrière. Tu sais ce que nous allons faire? Déjà je dois répondre oui, donc oui je sais ce qu'on doit faire. Charles, est-ce que tu veux acheter le fameux pull qui est totalement moche à 450€? Oui. On était débarrassé, j'ai fait un don à la Croix-Rouge et me voilà en train de... On va le trouver. Oh mec, non je l'ai vu. Oh attends, hey. Celui-là, est-ce que ça te dit de prendre cette version 2 au lieu de celui-là? Oui. Hugo? Oui. Ça va te faire plaisir, hein. 3, 2, 1, go. Oui, c'est cool. Ici, ça change, c'est incroyable. Bon, Charlie, on passe à la caisse? Ah oui. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée, bon courage, au revoir. Et voilà! Regardez-le! Hey, il est stylé, il est stylé! Il revient! Alors, Charles, il y a un problème là. Je te vois pas le porter à l'envers. C'était quoi le deal aujourd'hui? Non, mais je dois tout porter à l'envers. Charles, peux-tu porter ce pull là à l'envers? Ouais. Franchement, je vois pas la différence. Ok, génial, excellent. Et oh, oh, oh. Ah. Les lunettes à l'envers. Voilà. Regardez, ça dégaine. Mec, j'ai l'air d'un idiot fini. Non, mais mec, c'est pas pire. C'est là, dès que je marche ici, mon doigt de pied il est là. Et donc, du coup, ça me fait horriblement mal. Alors Charles, nous nous retrouvons dans cet endroit, ça n'a absolument aucun rapport avec le défi que tu vas faire, mais je vais te poser une seule question. As-tu TikTok sur ton téléphone? Ouais. Peux-tu réaliser un TikTok par jour pendant la prochaine semaine? Oui. Eh bien, nous allons commencer maintenant. Prends ton téléphone, je vais choisir la musique, tu vas faire un TikTok et je vais devenir officiellement un TikToker. Mais je sais même pas comment il faut faire. Nous avons trouvé la musique avec laquelle Charles va faire son TikTok. J'ose pas imaginer ce que t'as pris. Allez, c'est parti, Charles. Comment on fait un TikTok? Débrouille-toi. On est des frères, mais c'est chacun son cartel. Tu veux nous approcher, tu vas très vite t'écarter. Ah, la miniature. Est-ce que tu peux mettre ton titre en chinois? Ouais. Et tu peux appuyer sur le bouton mettre en ligne? Oui. Allez, une belle vidéo. Oh, c'est en public. Bon, maintenant, on va une charlie, nous allons regarder. Est-ce qu'on a fait le buzz? Allez, 3, 2, 1. En 30 secondes, il y a déjà 1500 mec, likes. Pourquoi quand je sors une vidéo? Ah, une belle vidéo. Il y a déjà 3500 vues, mec. Il y a 500 commentaires. En fait, je pense qu'il faut que tu fasses du TikTok. Mec, t'imagines ce soir, je vais sur mon TikTok, je vois 100 000 abonnés. Perfect. C'était une belle aparté, on a fait une pause après que tu aies effectué ton achat. Maintenant, continuons dans cette belle aventure. Oui. Charles, nous nous retrouvons devant une mouche de métro. Ça sent pas bon pour moi. Nous allons utiliser le métro pour nous déplacer à notre prochaine localisation. Forcément, sur le chemin, il va bien falloir que tu fasses certaines choses. Il faut divertir les gens. Ouais. La première chose que je vais te demander, c'est que pendant que nous attendons le métro, est-ce que tu peux faire une performance dedans Fortnite? Ouais. C'est pas mon fort, hein. C'est parti. Allez Charles, okay. Rentre dans le métro, tu vas nous faire ta belle danse. On
doit changer de métro. J'ai encore du lourd à lui demander. Perfect. Maintenant, nous allons prendre notre deuxième métro. Faut que tu te divertisses. Je vais te demander deux choses. La première, peux-tu faire le stop pour le prochain métro? Et la deuxième chose, c'est que lorsque nous allons rentrer dans le métro, choisis un rap français. Tu dois la chanter a cappella. Oui. Que tu veux, c'est pour ça que je te dis, tu vas dire une musique. On est des frères, mais j'ai ouais, vas-y, chante ça. Perfect. Le métro va arriver, Charles. Excellent, génial. Normalement, il s'arrête, c'est un frérot. Il a fait ça, le chauffeur, c'est énorme. Maintenant, tu rentres, face à l'artiste. Bonjour, bonjour, je ne sais absolument pas chanter. Je dois dire oui à tout aujourd'hui. Pour le plus grand plaisir, je vais me chanter une petite musique. Ibra, s'il te plaît, calme-toi. Dans mon cartel, ça me dit grave, tu t'agaces. On est des frères, mais chez chacun son cartel. Tu veux nous approcher, tu vas très vite t'écarter. Fais la guerre, y'a pas de soucis, on va se les faire. On va se les faire, tu crois qu'on va se laisser faire. En fait, on est des frères, mais chez chacun son cartel. Tu veux nous approcher, tu vas très vite t'écarter. Ça c'est du rock. Voilà, je lance ma carrière sur TikTok, merci. Merci, on est trop à t'applaudir, bravo. Moi je vais aller le cacher. Maintenant que tu as réussi ta performance. Maintenant que j'ai mis une belle ambiance avec ma douce voix. On est des frères. C'est ça exactement, tu t'es assis sur le strapontin. Sauf que Charles, faut bien que tu t'amuses, il faut bien que tu te divertisses. Arrête avec cette phrase. Est-ce que tu peux t'asseoir à l'envers, c'est-à-dire pied sur le haut du siège et tête sur le sol, jusqu'à la prochaine station? Oui. Posé au calme dans la saleté. Bonjour. Petite musique d'ascenseur pendant que nous profitions d'admirer Charles. Et voilà, on descend ici, mon Charlie. Yes! Excellent, une journée comme une autre. Et voilà, nous sommes de retour sur Terre. Comme tu peux le voir, Charles, il y a des passages piétons juste là et juste ici. Voilà ce qu'on va faire. Un petit cadeau pour toi. Ferme les yeux deux secondes. Je sens que tu vas me sortir un sifflet. Est-ce que j'ai vu juste ou pas? T'es un enfoiré, oui t'as vu juste. Je te connais tellement mec. Alors Charles, pendant les 5 prochaines minutes, tu vas faire la circulation avec un sifflet pour le passage piéton. Parfait. J'ai pas entendu? Oui, go. Je veux qu'il me fasse circuler. Il prend 3/4 son métier. J'adore les règles. Pour une Charlie, je pense qu'on peut dire que tu as très bien réussi celui-là. Plus les gens te klaxonnent. Pendant que nous allons à notre prochaine destination, je vais te demander deux choses. Peux-tu crier rouge dès que tu vois la couleur rouge autour de toi? Ok. Et la deuxième chose, c'est que tu vas devoir dire bonjour, ça va, à toutes les personnes que tu croises avec ta voix bizarre là, telle des canulars. On est des frères. Voilà, attends, bonjour. Tu es ok pour ça? Oui, go. Voilà, bonjour. Voilà, bonjour. Le malaise. Voilà, bonjour. Elle porte une écharpe rouge, non? Non, elle porte une écharpe rouge. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Pas de soucis, voilà. Voilà, bonjour, ça va? Rouge. Bonjour, voilà. Comment ça va? Très bien. Parfait, merci. Rouge. Là, moi, on dirait que je suis vraiment un pur spectateur. Manque plus mon pot de popcorn et voilà, je kiffe. Perfect. Voilà, bonjour. Comment ça va? Voilà, bonjour. Comment ça va? Voilà, bonjour. Comment ça va? Rouge. Voilà, bonjour, comment ça va? Rouge! À la montagne! Rouge! C'est le truc là! Rouge! Là, le rouge, le rouge! Les warnings ici! Rouge! Oui. Les vêtements là devant! Rouge! Nous nous retrouvons à cette fameuse destination. Charles, nous sommes devant un magasin de bricolage. Alors là, autant des fois je me dis ok, il va me faire ça, mais là je sais pas du tout ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux rentrer dans le magasin et demander à un vendeur une recommandation à propos d'un balai? Tu veux savoir si ce balai fonctionne pour le curling parce que tu souhaites te lancer dans une carrière de curler. Est-ce que pour plus de crédibilité, je peux remettre mes lunettes à l'endroit? Tu as le droit, mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Ouais, voilà, un truc comme ça. Maintenant on va demander à un vendeur la fameuse question. C'est parti. Vous voyez ce que c'est le curling? En fait, j'ai envie de débuter au curling, on m'a dit que c'est normalement un balai normal, ça le ferait. Ça là? Non, ça c'est pas. Au pardon. Pour produire. En termes de mouvement, je pense que ça peut être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Oh, je pense que tu peux largement avoir l'instruction avec ça. Hein. Bon, bah d'accord. Il n'y a rien à essayer. En plus, Charles est monteur de balai. Quel homme! C'est incroyable. Allez, vas-y, fais-lui une démo, fais-lui une démo. It was at this moment he knew he fucked up. C'est bon. Pensez aux gens qui veulent faire du curling aussi. Perfect. Il va quand même faire sa démonstration. Hein.
Swiss rocks though, just managing to stay in On est à ça d'arriver à la destination finale. Charles, je veux que sur le chemin, tu me fasses du parcours. Tu utilises tous les décors devant toi sur ton chemin et que tu le fasses vraiment en mode parcours, mais alors il n'y a rien de stylé, ok, okay. Attends, tu veux savoir si c'est le pire? Ouais. C'est que j'ai toujours mes chaussures à l'envers et j'ai hyper. J'avais oublié. Bon, mon Charlie, franchement, 10 sur 10 ce parcours. C'était très très bien. On va à la destination finale. C'est parti. Nous sommes arrivés à la destination finale. Vous la voyez derrière vous. Charles n'a pas le droit de regarder. Charles, j'ai une question à te poser. Ouais. On est dans un yes man. Est-ce que ça te dirait d'avoir un tatouage? Éphémère. Ouais. Yes. Ça te dirait de le faire sur le biceps? Oui. Yes. Mec, ça va trop loin. Oui. Allez, on y va, on rentre. Vas-y. Ça va être une partie de plaisir. Perfect. Une à trois semaines. Ouais, ça va, ça va. Je m'attendais à pire. On peut faire plusieurs mois si tu veux. Ça existe pas, sinon c'était 6 ans. Ok, wow. Après 6 ans, ça va. Avant que je te dise que ce soit un éphémère, je t'ai dit quoi? J'allais te dire non, mec, t'es ouf, je me fais pas tatouer un truc. Mec, non, c'est pas drôle. Mec, ça va me hanter. Le matin en me levant, à la douche, à la salle. Je vais me réveiller demain, je vais me dire bon, bah le tournage est fini. Ok, on a choisi le tatouage que Charles va se faire. Quel beau tatouage! C'est celui-là. La différence, c'est qu'on va remplacer le Princess Heart par Hugo Posey. Comme ça, tous les matins, tu te réveilleras et tu penseras à moi. Yes! Le tatouage est prêt. Charlie, on va passer dans la salle. Tu es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Go. Je peux pas reculer maintenant. Yes. Franchement, le principe d'un tatouage éphémère, c'est tellement cool, mais quand t'as un truc bien. Ah, regardez Charlie, bande de muscles. Oh mec, j'ai perdu du biceps, hein. Ouais, j'ai perdu du biceps et j'ai pris du vin. Falloir raser. Ok, parfait. C'est encore mieux. Génial. T'es déjà rasé les bras? Non. Vous verrez, elle a repoussé le rôle. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas que ça galère à repousser. Ah ouais, putain, vous voyez pas aussi grand, bizarrement. Je vais devoir raser un peu plus, hein. Ah. Décidément. Ce matin, on m'avait dit que j'aurais un tatouage en me couchant ce soir. C'est énorme. Le dernier mot du puzzle, Posey. Regarde, ça prend vie, Charles, c'est magnifique. Ah, je m'y fais déjà pas. Mec, c'est énorme. Pour être honnête, je crois qu'un tatouage comme ça, on s'y fait pas. Ok. Bon, alors ça me rassure, c'est tout à fait normal. Perfect. Charlie, franchement, hein, je suis presque jaloux. Alors que je vous fasse sécher, donc là vous bougez pas. La gentille personne qui a fait le tatouage de Charles doit aller s'occuper d'autres clients. Donc on m'a donné la responsabilité de faire sécher le magnifique tatouage de moi, Charlie. Je loupe pas. Hein. Bah, ah, tu fais moins bien que. Sérieux? Alors là, tu touches mes sentiments. Il a le bras bien rouge quand même. Ah, on n'a pas lésiné sur la chaleur. Exactement. Là, dans la bonne. Maintenant que le tatouage est fait, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est une belle pièce. Hein. C'est magnifique. Maintenant que nous avons fini cette dernière table, nous allons débriefer de la vidéo. A tout de suite. Perfect. Et voilà, nous nous retrouvons. Avec une question. Elle en est où ma vidéo YouTube? Elle a performé voilà. Un peu ou... Voilà, Hugo. Clique sur la vidéo. Il a fait le premier des tendances. Mais pourquoi? Mec, le titre il est en chinois, mec. Likes. Oh mais c'est chacun son cartel. Nous on espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez qu'on fasse un troisième épisode du Yes Man, on vous invite à cliquer sur le pouce bleu. Allez-y. Et aussi tendez bien vos oreilles. Nous lançons un concours. Si vous voulez nous rejoindre, venir travailler avec nous sur les vidéos. Nous sommes à la recherche de personnes qui font du cadrage et du montage. Tout cela est professionnel. Donc si vous êtes intéressé, des vrais professionnels. Si vous êtes intéressé et que vous êtes dispo dans Paris, eh bien alors nous avons mis cette adresse email qui est hugoetcharles.monteur@gmail.com. Envoyez-nous un email avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Je vous le précise, hein, oui. C'est une adresse sérieuse, donc on cherche des vraies belles candidatures. Exactement. Je vous invite à aller voir la vidéo de Charles où vous me verrez dire oui à tout ce que Charles m'a demandé. C'est dispo sur YouTube pour aller
aller voir la vidéo, c'est simple. Vous avez juste à taper dans la barre de recherche YouTube Passe-Bout de cuisine Yes Man 2. Aussi, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Charles quand vous serez sur sa vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton rouge. Je vous invite aussi à aller vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la partager autour de vous en parlant à vos potes, même en la partageant sur vos réseaux sociaux. On se retrouve vendredi prochain à 18h03. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like this about as good as it gets. Do it like this.